Thank you.
Le Seigneur bénisse chacun de vous. Bwana bariki kila mtu. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunamisalimia asubuhi ya leo mjina la damani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous lisons les remerciements et requêtes. Tunasoma mashukuru na mahitaji ya maombi. Saluons également nos bien-aimés qui sont connectés. Masalia wa ndugu, tunasalimia wa ndugu wale wenye natufuata. Et même tous ceux qui vont nous suivre en différé. Hata wale watatufuata nyuma kutupigilwa mbali. Nous lisons les remerciements et requêtes. Tunasoma matendo ya shukrani na mahitaji ya maombi. Père Fabrice Lutanz et la sœur Christelle Ngota. Ndugu Fabrice Nada Christelle Ngota. Remercie le Seigneur pour la naissance d'un garçon dans leur foyer. Wanashukuru Bwana hivi banapata mtoto mwanaume. La mère et l'enfant se portent bien. Mama na mtoto wako na afya njema. Frère Rufin Mukaz. Ndugu Rufin Mukaz. Remercie le Seigneur. Anashukuru Bwana. L'avoir protégé de Kolwezi à Lubumbashi. Wakumukinga msafara yeye kutoka Kolwezi kufika pa Lubumbashi. Qui nous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Anatusalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Frère Laurent Zila et la sœur Belange Fimbo. Ndugu Laurent Zila na da Belange Fimbo. Remercie le Seigneur pour la naissance des jumelles dans leur maison. Wanashukuru Bwana hivi banazala mapasa. Le couple Augustin Mulambwe et Jolie Mwadi. Ndugu ya ndugu Augustin Mulambwe. Remercie les frères et sœurs pour leur consolation. Wanashukuru ndugu na dada kwa faraja yabo. Lors du deuil de leur sœur et belle-sœur. Wakati walipata kilio. Frère Chebele Samuel. Ndugu Chebele Samuel. Remercie le Seigneur pour sa protection. Anashukuru Bwana kwa ukingo. De son déplacement de Mutabi à Lubumbashi. Wakati alitoka ku Mutabi kufika pa Lubumbashi. Le volant, il va rentrer à Mutabi. Ipendeza Mungu atarudia tena ku Mutabi. Et famille. Père Munganza Boniface. Jamaa ya ndugu Munganza Boniface. Les familles. Majamaa ya ndugu Munganza Boniface. Et Katembo Wanzu. Na ndugu Katembo Wanzu. Remercie les frères et sœurs. Wanashukuru ndugu na dada. Pour le soutien lors du mariage de leur fille. Kwa msaada yabo ya wakati ya ndoa ya batoto yabo. Père Eustache Banza, remercie le Seigneur. Ndugu Eustache Banza, nashukuru Bwana. Pas pourquoi on n'a pas écrit. Père Mike Chain, remercie le Seigneur. Ndugu Mike Chain, nashukuru Bwana. Pour l'avoir protégé lors d'un accident de circulation. Kwa kumukinga mwajali ya barabara. Père Eric Mbenge, sa femme, la sœur Ngoi, remercie le Seigneur. Ndugu Eric Mbenge na Dangoi, nashukuru Bwana. La naissance d'une fille dans leur foyer. Kwa hivyo wanazala binti. Et Cédric Yav. Ndugu Cédric Yav. Sa femme, la sœur Thérèse Mwewa. Na bibi yake da Thérèse Mwewa. Et remercie le Seigneur pour la naissance d'une fille dans leur foyer. Wanashukuru Bwana hivi wanapata binti. Et Trésor Mukeba, remercie le Seigneur. Ndugu Trésor Mukeba, nashukuru Bwana. Pour la protection de Kolwezi à Lubumbashi. Kwa kumukinga kutoka Kolwezi hapa Lubumbashi. Sœur Kena Celestine, remercie le Seigneur. Da Kena Celestine, nashukuru Bwana. Pour la guérison du diabète et de la cataracte. Kwa hivi Mungu anamponya na magonjwa ya macho na ya diabète. Sœur Joël Ilunga. Da Joël Ilunga. Ah, il remercie le Seigneur pour la guérison. Anashukuru Bwana kwa uponyaji. On nous informe qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Wanatujisha sema anesha toka mpitalo. Frère Ilunga Faustin, remercie le Seigneur. Ndugu Faustin Ilunga anashukuru Bwana. Pour la protection de Lubumbashi, Kolwezi et retour. Kwa kumukinga kwenda Kolwezi na kurudia pa Lubumbashi. Frère Dieudonné Madimba, remercie le Seigneur. Ndugu Dieudonné Madimba anashukuru Bwana. Pour avoir répondu à ses requêtes. Kwa kujibu kumahitaji yake. Frère Mutombo Banza. Ndugu Mutombo Banza. Mchungaji wa Assemblée de Malemba. Mchungaji wa kanisa la Malemba. Remercie le Seigneur pour sa protection. Anashukuru Bwana kwa ukingo. Pour son déplacement de Malemba à Lubumbashi. Kwa kutoka ku Malemba kufika hapa Lubumbashi. Frère Mutombo Ilan. Kama ndugu Mutombo yeko asimame. Là au fond. Ya ule kule kumwisho. Il est bienvenu. Karibu sana. Saluons notre frère en agitant la main. Salimia ndugu yetu kwa kumpepea. La porte de salutation de nos bien-aimés frères de Malemba. Anatulinda tama sanamu ya wapenda wetu wa Kumalemba. Le frère Ruben Muganza remercie le Seigneur. Ndugu Ruben Muganza nashukuru Bwana. Pour la réussite aux examens de deuxième session. Kwa hivyo alifaulu masomo. Sœur Ndoba Hélène remercie le Seigneur. Ndoba Hélène nashukuru Bwana. Pour la guérison de sa petite fille. Kwa hivyo mkana yake anapona. Frère Clément
Kabuanga, remercie le Seigneur. Dogu Clément Kabuanga, nashukuru Bwana. Pour lui avoir donné du travail. Kwa kumupa kazi. Et Moïse Malimu, remercie le Seigneur. Dogu Moïse Malimu, nashukuru Bwana. Pour la guérison de sa femme après avoir subi une intervention chirurgicale. Kwa hivi bibi yake alipona kisha kupasuliwa. Et Augustin Mulambwe et sa femme la sœur Mwadi Kabisa. Dogu Augustin Mulambwe na dame Mwadi Kabisa. Remercie le Seigneur. Wanashukuru Bwana. Pour la consolation lors du deuil de leur sœur et belle-sœur. Kwa faraja wakati walipata kirio. Passons aux requêtes. Taji ya maombi. Sœur Sharon qui t'engue demande la prière. Ta Sharon qui t'engue na taji maombi. Que Dieu donne du travail. Mungu ampe kazi. Que sa famille puisse le suivre. Na jama yake imfuate kule eko. La sœur Asi Kibanza. Ta Asi Kibanza. Demande la prière. Anahitaji maombi. Pour qu'on lui achète une maison en ville. Ili bamuzie nyumba mu ville. Sœur Maria Nawej. Ta Maria Nawej. Demande la prière. Nahitaji maombi. Pour que Dieu réponde à sa requête. Ili Mungu ajibu kuhitaji yake. Sœur Lili Kalombo demande la prière. Ta Lili Kalombo anahitaji maombi. Pour sa petite sœur. Pia muloko yake. Qui est malade. Mugonjwa. Souffre de bronchite, tout et rhume. Ego na bronchite kikozi na homa. Sœur Deborah Boingo demande la prière. Ta Deborah Lengo anahitaji maombi. Avec son ami. Tuombe rafiki yake. Chati Lumwanga. Ta Chati Lumwanga. Souffre de beaucoup de maux. Ego na teseka na magonjwa mengi. Entre la fatigue intense. Na michoko kabisa. Et respiratoire. Ashispumujike mzuri. Maumivu ya kichwa. Kijunguzungu. Etc. Na bingine bingine. Frère de Donner Kaninga demande la prière. Dugu Dieudonné Maninga na Maninga na itaji. Son fils Yanis qui va subir une intervention chirurgicale. Tuombe mtoto wake atapasuliwa. Sœur Adèle. Da Adèle. Femme du Kime de Botswana. Bibi yake ya ndugu Kime wa Botswana. Demande la prière. Anahitaji maombi. Que Dieu intervienne. Ki Mungu amsaidie. Dans ses démarches d'obtention de nationalité botswanaise. Mvila anataka kupata nationalité ya Botswana. Frère Ilungango et Christophe demande la prière. Ndugu Ilungango et Christophe anahitaji maombi. Que Dieu le guérisse. Ili Mungu amponye. Souffre de la prostate. Iko anateseka na prostate. Frère Elikabei demande la prière. Ndugu Elikabei anahitaji maombi. Que Dieu touche le cœur de son travailleur. Mungu aguse wa mteka moyo wa mtendakazi wake. Pour restituer l'argent. L'argent volé. Il y a arrondissé les faits à Riba. Et que sa marchandise arrêtée soit libérée. Na ile biashara yake barifunga babirulete. Que Dieu donne Kabila demande la prière des saints. Dugu Dieudonné Kabila anahitaji maombi. Pour que le gouvernement s'occupe du ravin qui a emporté leur maison sur la route qui pousse. Ili serikali angare mambo ile teraseri pomona nyumba yake. Eric Mwimbu demande la prière. Dugu Eric Mwimbu anahitaji maombi. Pour qu'il soit rappelé au travail après avoir fait un test. Ili bamuite ko kukazi kisha mashindano ila rikisha. Sœur Ngomba Hortense demande la prière. Tangomba Hortense anahitaji maombi. Pour sa guérison. Ili apone. Père Papi Kabantadi remercie le Seigneur. Dugu, sa tire remerciement. Dugu Papi Kabantadi anashukuru Bwana. Pour avoir épargné lors d'un accident de circulation. Kwa kumwepusha ku ajali ya barabara. Père Aaron Kasongo. Dugu Aaron Kasongo. Nous avons besoin de prier des saints. Anahitaji maombi ya watakatifu. Que Dieu intervienne en faveur de leur père. Ili Mungu amsaidie baba yapo. Qui a connu un accident mortel hier soir vers 7h du matin. Alipata ajali ya hatari kabisa jana magharibi. Son véhicule est entre les mains de la justice. Gari yake banisha kuibamba. Entre-temps, les deux personnes ont perdu la vie sous le champ. Bale bantu alikonga walikufa pale pale. Le véhicule a tamponné deux personnes qui sont décédées. Sema ule ndugu alikonga bantu mbili walikufa pale pale. Na ndugu anahitaji maombi. Et que Dieu Donc, dit que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Vous invitons à vous lever. Tunamiomba msimame. Allons lire dans la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Prenons le livre de Tite. Tutasoma mu Tito. Tite, chapitre 3. Tito sura ya 3. Versets 8 à 11. Mustari wa 8 paka wa 11. Tite, chapitre 3. Tito sura ya 3 verset 8 à 11. Mustari wa 8 paka wa 11. Cette parole est certaine. Hii neno ni ya hakika. Et je veux que tu affirmes ces choses. Nataka uhakikishe bibintu. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ili wale walimwamini Mungu anze kufanya matendo mema. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Jo yenye akabaila na muhimu kubantu. Mais évite les discussions folles. Ushanze kubishana bishana tu. Et généalogie. Les généalogies, makokotano, les querelles, bukomvi, mabizazi, les disputes relatives à la loi, mafujo kuhusu sheria, car elles sont inutiles et vaines. Mana ile mabishano haina na mana.
Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voyez au verset 9. Et il faut éviter des discussions folles. Ne discutez pas sous les opinions. Il faut éviter les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Ne discutez pas là-dessus. Ce que nous faisons souvent quand nous nous trouvons ensemble, nous discutons même sous la parole de Dieu. Évitons de telles choses. Et ce qu'on nous recommande là-bas, et cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Amina. Quand nous entendons un cantique, watumie wimbo moja. Oui, nous allons tous ensemble prier. Isha wote taomba Bwana. Tous ensemble le Seigneur.
Notre Père céleste et Dieu tout-puissant. Baba yetu aliye mbinguni Mungu mwenyezi. Que ton nom soit sanctifié au notre Père. Jina lako litakaswe Baba yetu. Merci au Dieu tout-puissant pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire. Asante Mwenyezi Mungu kwa mema yote ungali na tutendea. Merci pour ce souffle de vie que tu gardes encore en nous. Asante kwa pumzi ya uzima ingali ndani mwetu. Tu es endormi comme déjà mort. Tulilala kama wafu. Ce matin, il t'a plu de nous réveiller. Il kupendeza kutulamusha asubuhi ya leo. Il t'a plu de conduire le pas. Il kupendeza utuongoze. Parce que beaucoup ont désiré se réunir comme nous. Mana wengi walitamani kukusanyika kama sisi. Mais ils ne l'ont pas su. Lakini hawakuweza. Yana sont malades. Wengine ni wagonjwa. Yana qui sont empêchés. Wengine wanazuizwa. Si nous nous retrouvons en ce lieu à cette heure. Si tukikutana hapa kwa hii wakati. C'est seulement par ta grâce. Ni kwa neema yako tu. Parce que Père, tu as voulu que cela soit. Baba maana ulitaka iwe hivi. Maintenant que nous sommes rassemblés en ce lieu. Sasa tunakusanyika hapa. Prenons tous d'écouter les hauts faits que tu as fait parmi tes enfants. Tunatoka kusoma matendo makubwa ulitendea watoto wako. Et nous te rendons grâce pour tous ces bienfaits. Na tunakushukuru kwa mema yote ile. Tous d'élever nos voix vers toi. Wote tunapaza sauti zetu kwako. Avant même qu'on vienne se rassembler. Mbele ya kuja kukusanyika hapa. Oh Dieu, tu savais de quoi on avait besoin. Wewe Mungu uliyo mahitaji yetu. Nous avons aussi intercédé pour les besoins de nos bien-aimés. Na tuliombea wapendwa wetu vile vile. Oui, Père éternel et tout-puissant. Yo Baba Mwenyezi Mungu wa milele. Même hier, aujourd'hui et éternellement. Vile vile uko jana leo hata milele haubadiliki. Réponds aux besoins de tes enfants. Jibu kwa mahitaji ya watoto wako. Nous avons l'assurance que tu le feras au notre Père. Tunahakikisha kama utaifanya Baba. Nous l'avons demandé en ton nom. Maana tunaiomba katika jina lako. Donc mets-toi entre tes mains, notre bien-aimé frère qui va nous parler de ta part. Unatoa mhubiri wa siku mikononi mwako. Puisse tu l'assister tout le temps qu'il sera ici pour t'apporter ta parole. Upate kumsaidia wakati wote atashimama hapa njoo kuhubiri. Et bénis aussi chaque oreille qui va entendre ta parole. Bariki vile vile kila mtu atasikia neno lako. Et notre Père. Baba yetu. Tu bénis tous les anciens de Bariki wazee wa kanisa wote. Sois avec notre bien-aimé frère Kaka qui va prêcher à Chamalale. Uwe pamoja na ndugu Kaka tahubiri ku Chamalale. Tous les prédicateurs. Bariki wahubiri wote. Les diacres. Mashemasi. Administrateurs, trésoriers. Wazamini na mwekazina. Nous recommandons notre Dieu entre tes mains. Wote tunawatoa mikononi mwako. Passons à notre chorale. Tunakuombea kwa wetu. Les techniciens. Wafundi wetu. Frères intérêts. Watafsiri ndugu zetu. Sœurs qui torchent. Wadada wenye kukolopa mkanisa. Et aussi tous ceux qui sont venus ici pour écouter ta parole. Bariki vile vile wote walikuwa kusikia neno lako hapa hii asubuhi. Aussi aux frères qui sont connectés à cet instant. Bariki vile vile wale washa kujiunga kutufuata lombari. Hata wale watatufuata nyuma. Tous entre tes mains. Wote tunawatoa mikononi mwako. Manière que chacun d'eux ait un bon entendement. Fanya mnamna kila mtu asikue na usikilivu mwema. Pas avec l'église universelle. Uwe na kanisa ulimwenguni pote. Bénis tous les saints du monde entier. Bariki watakatifu ulimwenguni pote. Remettons notre bien-aimé frère Frank entre tes mains. Ndugu Frank tunamtoa mikononi mwako. Et nous n'avons pas oublié Israël. Bila kusahau Israël taifa lako. Et nous prions aussi pour notre pays. Tunaombea vile vile nchi yetu Congo. Ainsi que pour toutes nos autorités. Tunaombea vile vile wakubwa wa nchi ya Congo. Pas avec nous notre Père du début jusqu'à la fin de ce service. Uwe nasi mwanzo hadi mwisho wa ibada. Car nous te l'avons demandé. Maana tunakuomba hivi. Et ton nom précieux. Katika jina la damani. Seigneur, na mukozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Invitons le moniteur de l'école de dimanche qui venait donner son rapport. Tunamuomba mwalimu wa watoto kwa alete ripoti yake. Ndugu dada na wazazi wapenzi. On ne peut pas juste un peu le micro qui soit à la chair. Ça ne passe toujours pas. Les micros du milieu, les micros du milieu. Les dimanches passés, nos enfants du tabernacle et ceux de nos divers foyers, à part d'eux, avaient suivi leur leçon du jour. Et ils avaient apporté les offrandes à Dieu.
La leçon de cet après-midi sera qui est la résurrection et la vie. L'écriture de référence sera Andiko tutasoma itakuwa Jean chapitre 11 Yohane sura 11 verset 25 mstari wa 25. Nous leur apprendrons que tutawafundisha hivi Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Yesu Kristo njoo uzima na ufufuko. Et il est le seul qui donne la vie éternelle. Naniye peke yake njoo naleta uzima wa milele. L'amour est venu par un seul homme Adam. Mutu moya Adamu njoo alileta lufu. C'est aussi par un seul homme, Jésus-Christ, qu'est venu la résurrection. Na muntu moya vile vile Yesu Kristo njoo alileta ufufuko. À sa résurrection, il avait ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Wakati alipofufuka alifufuka wa utakatifu wa agano ya zamani. À sa seconde venue, il ressuscitera les saints du Nouveau Testament. Wakati atakuwa mara pili atafufuka atafufula watakatifu wa agano ya sasa. Au dernier jour, il ressuscitera tous les autres morts pour le jugement dernier. Siku za mwisho atafufula wafu wote njoo ya hukumu ya mwisho. Nous communiquons à tous les nouveaux parents. Tunatangazia wazazi wa sasa. De nous attendre à la fin du culte. Watuchunge kisha ibada mkanisa. Pour leur indiquer le lieu de culte pour leurs enfants. Njoo tuoneshe fwashi batoto yao watenda kufuata masomo yabo. Que le Seigneur bénisse. Bwana mibariki. Il y a des visiteurs parmi nous. Kama kuko bageni katikati yetu. Ils peuvent se lever pour que nous puissions les saluer. Basimame tupate kuwasalimia. Visiteurs, même si vous venez. Atona tokia makanisa ingine. Perisi. Tuko na ndugu hapa, ndugu kumwisho. Et encore. Nani mwingine. Côté sœur. Dada. Levez la main pour que nous puissions bien voir. La mouche sœur là-bas. Naona dada mwingine, dada mwingine. Nous vous recevons avec joie. Il y a notre sœur là. Ma dada mwingine kule. Sentez-vous parmi vos bien-aimés. Tunampokea na furaha mwingine katika wapendwa wetu. Kanisa msalimie visiteurs en agitant la main. Kanisa msalimie wakini kuwapepea. Nous allons louer le Seigneur. Sasa tasifu Bwana. Avant d'écouter sa parole. Bili ya kusikia neno lake. Bwana Mungu ambariki. Tuko na mipatia programu ya wimbo. Wimbo ya kwanza tutaimba 18 chants de victoire. Yapiri 48 Nyimbo za Mungu. Yatatu 62 collection des cantiques. Na ya mwisho 75 collection des cantiques. Mungu atubariki sana. OK. Chorale.
Nous avons parmi nous le frère Joao de l'Angola. Katikati yetu tuko na ndugu Joao wa kuAngola. Il est au Congo, il vit un peu au Congo. Yuko naishi huko Congo imashiku. Nous transmet les salutations des frères et sœurs de Luanda. Anatuleta masalamu ya ndugu na dada wa pale Luanda. En Angola. KuAngola. Plus particulièrement les salutations du frère Kayaya. Mayambo ya upekee ndugu Kayaya. De la sœur docteur Julia. Nada docteur Julia. Et du berger le frère Lusingama en particulier. Na mchungaji wa pale Musingama. Il y a deux véhicules qui sont mal parqués sur la route. Kumagari mbaya baripanga, magari mbili baripanga mbaya mbalavala. La partie rétrécie. Ukale kafashi kaka loko kule kanjia kana. Nous avons demandé de bien parquer vos véhicules. Turimiambia mwanze kuyeka mzuri magari yenu. Ouais, sur notre route aussi, il y a des voisins qui ont des véhicules qui peuvent passer aussi par là. Bajirani hapa beko na magari na wanaitumiaka balabala. De manière à ne pas bloquer la circulation. Mwanze kuyeka na njia bakie wazi gari nyingine yanze kupita. Le double stationnement. Mwe ushanze kufanya double stationnement. Maintenant ceux qui ont parqué sur la partie rétrécie. Bale bareka magari yabo kwale kanjia ka loko. Ils aient dégagé leur véhicule. Oto bende Itoshe. Vous les mettez là derrière, il y a de la place. Nyuma ya kanisa kufashi munene. Il y a deux véhicules qui sont parqués là-bas. Kumagari mbiri baripanga pale. Le propriétaire a il est déplacé. Benye nayo bende bakaitoshe. Avant d'écouter la parole de Dieu. Beli ya kusikia neno la Mungu. Va chanter souris donc. Tutaimba souris donc. Lors de la salutation. Lakini wakati ya kulamkiana. Nous sommes pendant la période de test barrière. Hivi hakuna namna kulamkiana kumkono. Nous allons seulement faire ceci. Utapiga tu mikono sawa kwa kwa. Auta umshika mikono. Unamwangalia tu unamfuaya ofisa wako. Après ça, nous allons écouter la parole. Kisha ile njo tafuata neno la Mungu. Mungu amebariki. On chante souriant. Apana souris donc. Élève ton visage vers les mains, vers Jésus. Apana vers celui, vers Jésus que tu aimes. Jésus, Seigneur, tu n'apenda. Ok, vers Jésus que nous aimons. Mungu amebariki sana. Allons-y. Nous vous saluons ce matin
dans le nom du Seigneur. Nous saluons également tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Nous reprenons nos instructions destinées à nos jeunes en rapport avec le mariage. Je l'avais promis. Ce que nous allons tenter de faire. La base a déjà été posée. Mais pour la bonne compréhension, parfois, il y a des frères et des soeurs qui posent des questions. Nous apprécions cela. C'est pourquoi, contrairement à ce que je vous ai dit vendredi, je prendrai un peu de temps pour répondre à quelques questions rapidement. Je les trouve très pertinentes. Et nous passerons aussi à notre sujet du jour, toujours en relation avec le mariage. Chantons les cantiques sur les ailes d'une colombe blanche. Sur les ailes d'une colombe blanche. Combien? 192 CC. Son âme.
les ailes d'une colombe blanche. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien de manière, je priais pour la guérison, la nuit comme le jour. La foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donna son signe sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son âme, un signe du ciel, sur les ailes d'une. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. C'est l'un des cantiques que notre frère Branham aimait beaucoup chanter. Ni mmoja ya mimbo ndugu Branham alikuwa anapendaka sana kuimba. Et le troisième couplet. Na couplet ya tatu. Celui qui a ajouté ça. Ni ndugu Branham ndio aliongezaka. En rapport avec ses expériences. Lingana na maonjo yake. Celui qui l'avait composé, il n'y avait que deux couplets. Mais le troisième est en rapport avec sa vie. Il en parle dans la prédication sur les ailes d'une colombe. Et quand j'avais lu ça, j'étais très étonné. Comment un homme avec un tel don, il a pu souffrir durant toute sa vie. Et Dieu l'a guéri à la fin. À la fin. Et il en parle. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et nous devons honorer ses décisions. Le frère m'a demandé les titres. Je crois que nous allons aborder le choix d'une épouse, mais il y a beaucoup de choses que nous verrons. Non, ce sont des instructions destinées à nos jeunes. Mais peut-être ça, le choix d'une épouse. Parce qu'ils ont demandé ça. J'ai tâtonné, mettez le choix d'une épouse. Ça, les grands titres, mais il y a beaucoup de points que nous allons voir pendant ces deux semaines. C'est un étudiant qui a posé la question. Il y a trois sous-questions. Il a parlé au nom des étudiants. C'est un problème qui existe parmi les étudiants. Bon, j'ai résumé ça. Les pensées principales. Pour nous les étudiants, si il nous arrivait d'aimer une jeune sœur ou un jeune frère, comment doit-on procéder afin de ne pas briser la parole de Dieu? Devons-nous nous fréquenter durant notre cycle 5 ou 6 ans? Comment procéder pour honorer Dieu et pour éviter les scandales? Sont des problèmes parmi nos jeunes. Sont des réalités que les jeunes vivent.
étudiants, étudiantes. Banafunzi banaume na banamuke. Je crois qu'il s'agit ici d'un projet de mariage. Apa naona ni projet ya kuoa. Souvent en rapport avec ça. Nazani njo wazo yake hii. Proverbe 13:12. Mezali 13 mstari wa 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Tumaini yenye kugawia sana ikunafaa moyo na gonjwa. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Lakini tumaini yenye ni yenye unatimiza iko kama vile mti wa uzima. Dans une autre version il est dit. Mageuzi ngine banasema. Une personne qui a tant longtemps une promesse se décourage. Mtu ula nachunga sana mara kwa moja hivi yako nafika mkuchoka na kuregea. Dieu qui nous connaît. Mungu anatujua mzuri. Il parle clairement. Yako nasema wazi. C'est comme aujourd'hui. Ni vile leo. Je vous promets une voiture. Kama mimi nakulaka kusema takupatia gari. Ça prend du temps. Na panaka usikupatie. Tu finiras par décourager. Utachoka, utaregea. C'est pourquoi le monde parle des surprises agréables. Je comme la dunia kuna sema banakuletea kitu kwa kukushtusha. Il n'y a pas de promesse au départ. Aba kukulakaka. Mais on te surprend seulement. Lakini banakushtusha banakupatia zawadi. Entre dans cette maison. Ingia mu nyumba. Elle t'est destinée. Ni yako. Quand je parlais de jeûne, wakati nilikuwa nasemea vijana, j'ai relevé une pensée importante. Ili semea wazo mmoja ilikuwa ya mafaa sana. Normalement, il y a des maladies de jeûne qu'on appelle le passion de la jeunesse. Kuko magonjwa babiani ile kunaita mania ya vijana, matamaa ya vijana. Une passion, c'est un amour à l'excès. Dama ni ile mapendo ya kuzidi. Il y a des gens, par exemple, le football, c'est une passion. Acha kupenda kabumbu sana. S'il est fanatique de Mazembe, kama ni fanatiko Mazembe, il peut tout sacrifier. Anaweza kuacha biote pour aller au match. Tuende tu akangalie match. Et si Mazembe t'a battu, na kama wanamuina Mazembe, il est malade toute la semaine. Anagonjwa ule juma mzima. Les jeunes gens pensent aux jeunes filles et les filles aux garçons. Babiana banaume banawazaka babiana banamke babiana banamke hii tunajua. Quand ils atteignent 18 ans, 20, bakeneza 18 ans, un jeune garçon passe son frère. Et les jeunes filles kiane kunawaza banamke banaume ni mam jo vile biko. Quand nous devons aider nos jeunes. Tunapasha usaidia vijana. Même nos parents. Même vous les sœurs. Ata mwe badada. Même la physiologie change. Na mwili nyenye na badilika. Le sein pousse. Maazibe na ota. Il y a des caractères secondaires sexuels qui apparaissent. Kuko bitu mwili binaonekana. La fille découvre. Il doit comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Binti anaanza kuona bitu. Inapasha mfasirie. Si la personne pour l'aider. Kama kuna mtu wa kumfasiria. Si la personne, le garçon, la fille tombe sur une mauvaise personne. Kijana au bitu akiongea kwa mtu mbaya anaharibika. Kunaisha. On doit avoir le courage d'en parler. Tu n'as pas chacun au regard à consommer. Il n'y a pas de sujet tabou. Akuna mambo ya tu pas consommer ya yabijila au yahaya. Instruisez vos enfants. Mufundishe batoto yenu. Vous les sœurs, vous les frères. Oui, badada na banduku. Vous devez les aider. Tu n'as pas chacun basaidia. Pour traverser une période qu'on appelle de crise de puberté. Il est batambuke ile wakati. C'est de la physiologie. Ni kusema ni bitu unafanyika mumwili. On ne peut pas nier. Atuwezi ukatala ile mambo. Mais on peut aborder la chose avec la prière. Tunaweza kuanza ile mambo na maombi. Avec les conseils de Dieu. Na mashauri ya Mungu. Ça peut nous aider. Na ile itatusaidia. C'est pendant cette période que les jeunes filles sont abîmées. Ni mwile wakati ya puberté. Joba toto banaribikaka babinti.
Les garçons deviennent pervertis. Kijana na ribika. Regardez aujourd'hui dans notre société. Les jeunes sont plus malades que les vieux. En rapport avec des maladies sexuellement transmissibles. C'est connu. Que nous les chrétiens, nous avons reçu des conseils. J'ai lu ça la fois passée, je le répète. Saint Franck, dans sa prédication, le mariage, ça descend aux jeunes. Alikuwa anazungumza na vijana. Para 22-23. Un jeune homme devrait remplir les années de sa jeunesse avec d'autres pensées que celles du mariage. Wakati ya bujana yake anapasha kwanza kuwaza vitu vingine, aache kuwaza mambo ya ndoa. Frère, il n'y a pas que ça. Hakuna paka mambo ya ndoa. Yo vijana. Ça ne doit pas devenir une obsession. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est une obsession. Et Satan s'est arrangé pour scier leur esprit. Avec des sites sales. Quand vous y entrez, vous avez des choses sales. Les femmes nues. Comment on couche des femmes? Et les jeunes, c'est ça. Avec les téléphones aujourd'hui, il y a même des sœurs et des frères qui sont dans ces bêtises-là. Même des frères, même des mariés. Ça suit votre esprit. Ce sont des suivre de l'esprit. Nous, on doit éviter ça, nous les chrétiens. Mettez-vous loin de cette saleté. Que Christ soit l'objet de notre pensée. Pas des histoires sales. Il n'y a pas que ça. La vie ne doit pas se réduire seulement à des relations sexuelles. Non, non. C'est une partie de la vie. Mais quand le temps arrive, nous nous marions, il n'y a pas de péché. Quand quelqu'un se marie, mais on ne doit pas être dans des histoires sales. Et vous avez ça dans vos téléphones. Vous trompez les hommes. Mais vous ne tromperez pas Dieu. Dieu vous connaît. Comment bien tu vous irez en enfer. Si vous n'abandonnez pas ça, vous irez en enfer. Ça suit votre esprit. Jésus revient bientôt. C'est le temps de la sanctification. La sanctification de la chair et de l'esprit. Les gens, quand ils se rencontrent, sont les histoires des femmes et des garçons. Comment il a couché telle fille? Comment est-ce qu'il a procédé? Même les jeunes filles, comment est-ce qu'on l'a défloré? Elle explique ça aux autres. Il te les a en retard, fais comme moi. On doit savoir choisir les amis, vous les jeunes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Il faut attendre le temps pour accomplir la chose. Il est mambo ya ndoa. Regardez, si tu as faim, on est comme au konanjala. Ça, moi, tu vas voler. Kama una na namna ya kula utaiba. Pour quelque chose à manger. Il va pas choukoule. Ne créez pas de désir que vous ne saurez pas accomplir. Mushijichokozi ye maniele mtashinda kutimiza. Ça va vous amener très loin. Ita mipeleka mbali. C'est ainsi que vous trouvez des gens. Il ne sait pas réaliser ça. Il couche avec sa soeur.
Il y a des sœurs dévergées par leur grand frère ou petit frère. Où c'est la grande sœur qui attire son petit frère? Il fait ça. Il entraîne son petit frère dans des bêtises. Ce sont des gars que vous connaissez. Et si c'est un garçon, il commence à pratiquer la masturbation. Et vous avez déjà entendu ça. Masturbation. Ce sont des saletés. Ce sont des suies. Il faut attendre. Je suis capable de réaliser la chose. Je peux me marier. J'ai un peu de moyens. Pour entretenir la femme. Maintenant, vous engagez. Maintenant, vous étudiez. Faites d'abord une chose. C'est plus sage. Tu es étudiant. Un cycle de 4 ans, 6 ans. Tu n'as pas assez de moyens. Il faut que tu t'adonnes d'abord aux études. Et aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons, même le diplôme ne suffit pas. Il y a des ingénieurs de médecins qui chôment sans travail. Il faut le minimum. Une petite stabilité, une maison. Hein. Même un lit. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Vous êtes sage. Tu peux épouser une femme pour qu'elle vienne souffrir. Ça, c'est méchant. Il y a des familles aisées. Même sans travail, on est différent. Un homme sage, est-ce que j'ai des moyens? Si tu as un soutien, d'accord. Mais sans soutien. Et puis, nous devons éviter de longues fiançailles. Dans la plupart des cas, ça n'aboutit pas. Mauchumba ukawa sana ya mingi ya iti, abafikake mkuoana. Prenez moins de temps possible. Mubebe wakati ya kidoko sana. C'est plus sage. Jovile napasha utenda. Quand le frère a posé la question, il a parlé étudiant, jeune sœur ou jeune frère. Dans le schéma classique, un homme peut demander la main. Muna muna ya kawaida, mwanaume jo napasha kuomba mkono ya mwanamke. Mfuata mwanamke jo amuoe. Perversion. Mwanamke hawezi kufanya vile, ile ni uharibifu. Se l'homme tend la main. Mwanaume jo anaenda kufuata mwanamke. L'amour de la femme. C'est sa réponse à l'amour de l'homme à son égard. Une femme peut pas frère, on ne voit que frère. Une femme peut pas aller dire frère, épouse-moi. C'est une femme perverse à son mari. Ça n'existe jamais. Et doit attendre. Il doit répondre à l'amour de l'homme. C'est toi qui vas vers la femme. La femme ne vient pas vers l'homme. Comme on en voit aujourd'hui. Les femmes publient leurs photos. Je cherche un mari. Moi, j'ai trouvé une femme. Ça, c'est la perversion. Ça. C'est l'homme qui cherche la femme. Et la femme répond à l'amour de l'homme. Étudiez d'abord. Mufundeni kwanza, mwe banafunzi. C'est plus sage. Ndio vile nafai kufanya. Ton père t'a envoyé pour étudier. Baba kwa likutuma juko ufunde. Quand le temps arrive. Sa wakati nenea. C'est pourquoi il y a des bêtises. Ndio kuna kubitu ya ovyo bila nafanika. Ils sont fiancés. Unachumbiana. Ils commencent à coucher ensemble. Il y a des avortements. Ce sont des abominations.
mbele ya Mungu. C'est une vie impure. Ni maisha ya buchafu. Il faut éviter ça. Napasha kuiepuka. Donc attendez quand le temps arrive. Mwe wanafunzi mchunge sawa wakati tenea ya kuoa ndio tawo. Plus intelligent. Ile ni kutenda na akili na hekima. C'est comme le frère au ministère, étudiant ministre, je ne refuse pas. Iko sanduku mubiri kisha angaliki mwanafunzi. Est-ce que tu as assez de temps pour servir Dieu? Kumuliza, je uko na wakati jo kutumikia Mungu? Je suis prédicateur pendant les vacances. Parfois irresponsable. On doit faire attention. Tu n'as pas cherché à faire un galisho. Ça va comme ça. Ni ça va ivi. Écoutez ces bandes, vous comprendrez beaucoup de choses. Moi, ne me cache pas que t'es na ima bande na mutailewa bitu. Il y a un temps pour chaque. Uko wakati juu kila kitu. J'en profite pour faire aussi une petite mise au point. C'est très important. C'est en rapport avec les examens prénuptiaux. Ni kumambo ni kuangalia mashindano. Mai kwenda kuangalia ma examen ya avant le mariage. Mbele ya kuoana. Il y a de bonnes choses. Kuko bitu bizuri. Et ça peut nous éviter de fuiter plus tard. Frère, on n'est pas au Moyen-Âge. Nous vivons dans un monde moderne. Atuna kuile wakati ya zamani sana. Hapa vitu visha kuenda mbele sana. Et la science a fait des progrès. Na elimu naisha kuendelea zaidi. Tout n'est pas mauvais. Vitu vyote haina vibaya. Il y a des choses qui nous aident. Kuko vitu vina tusaidia. Regardez ici chez nous par exemple. Mwone huko kwetu kwa mfano. On ignorait beaucoup de choses. Kwa vitu mingi hatukujuaka. Je vous donne quelques exemples. Namipa mifano kidogo. Au Kasai, par exemple. Au Kasai, comme fano. La plupart des femmes qui mouraient pendant l'accouchement. Ba bibi ba mingi balikuwa na kufa pa kuzala. Peut-être les enfants venaient dans une mauvaise position. Zingine mtoto alikuwa iko position ya mubaya. Position de siège, par exemple. Kama ni muhali. Ulizo vile avec la tête, ce sont les. Pale ya kutoka na kichwa, anza kutoka na kifungo. Avec la médecine, on peut réduire ou faire une césarienne quand. Leo na kinganga banaweza kufa césarienne. On a vu ça en amont. Non, ça il faut une césarienne. Et on sauve la vie de la mère et de l'enfant. Mais nos ancêtres ne connaissaient pas ces choses. Explication c'est quoi? La femme a commis adultère. Elle est en difficulté. Personne ne peut l'aider. Hakuna mtu amsaidia. Sema. Tu as commis adultère. Ulifa busharati. Vous comprenez? Unaelewa? C'était l'explication. Jovile bobo alikuwa anafasiria ile mambo. Même l'hypertension. Nous ne connaissons pas l'hypertension. Bankamboto bakujua kayo. On l'a abattu dans la sorcellerie. Asa huyu bana mupika kubuloji. Punduki ya baloji. On l'a abattu. Même des frères témoignaient. Ni on ataba ndugu na shuhudia mambo. J'ai prêché quelque part. Oh, minaza kubili fazi moja hivi. Les sorciers ont tiré sur moi. Baloji bana mupika punduki ya buloji. Non, c'est l'hypertension. Bana ndugu ni tension il parle. Quand quelqu'un tombe. Wakati mtu anaona. Les sorciers l'ont tué. L'ont abattu. C'est ça l'explication. Jovile bana kwa mfasiria ile mambo. Et quand un couple perd des enfants, na kama ndoa iko na ficha sana batoto, sans interruption, beko na kufa, ce sont les sorciers. Asa ni balozi. Donc je veux juste prouver. Leo iko na namna kufasiria imambo. Parfois les enfants sont SS. Batoto pekine bona zalika ni ba SS. Ils ont problème de sang. Beko na makumu juu ya. On peut éviter ça. Unaweza kuepuka ile mambo leo. C'est pourquoi il y a des examens prénuptiaux. Comme examen à kufanya mbele ya bantu kuwa. Même le sida. On doit faire ça. Tunapasha kuifanya. Il y a des gens qui croient étant déjà malades. Kuko batu yako na mini asha ipataka zamani sida. Il a cru sérieusement. Anaamini kweli. Mais pendant le temps d'ignorance. Lakini mwile wakati yake ya ujinga. Il est dans une mauvaise vie. Alikuwa maisha mabaya. Il a déjà attrapé ça. Na anapata mosida. Un vrai chrétien. Mukristo wa kweli. Si il a ça. Kama kuna sida.
Il ne va pas épouser une fille de Dieu pour qu'elle meure. Il attendra que Dieu le guérisse. Il ira à l'hôpital. S'il a toutes les preuves qu'il est réellement guéri, là il s'engage. Mais le monde est méchant. Quelqu'un il a ça, il prend des femmes, il tue la maladie. Ça c'est méchant. On doit faire ça. On n'a pas chauffé dans mon examen. On ne doit pas fuir. On ne doit pas éviter. C'est pourquoi vous, parents, aidez les jeunes gens. Quand cette histoire commence, moi, avec mes filles, je commence par là. C'est le premier acte. Je ne peux pas, même avant de. Je dois savoir si il y a le terrain, on doit baliser le chemin. Pourquoi j'ai dit ça? Ce sont des cas que nous vivons. Les gens avancent. 6 mois, 1 année. Maintenant, ils vont faire les examens. Ça, c'est les examens. Il y a une complication. Pourquoi? Je ne peux pas avoir des examens à la Katouba. Il faut l'électrophorèse. Je ne peux plus pousser. Le frère est AS, la sœur AS. AS, dada AS. Ça, c'est un danger pour les enfants. Ils sont déjà habitués. Pour rompre, c'est difficile. Ce sont des reconnaissances. J'ai dit, arrêtez la chose. Nous, pasteurs, nous avons la foi. Tu ne peux pas avancer vers un danger quand tu es aveugle. On te dit qu'il y a un serpent là-bas. Mais si je suis surpris par un serpent, là j'exerce ma foi. On dit attention, il y a un lion là-bas. Dis non, frère, moi j'ai la foi là-bas. Non, non. Mais si le lion me surprend, là j'exerce ma foi. Vous êtes averti. Mais faites attention. Prenez à cœur l'avertissement. Et sont des cas que nous avons. Les gens avancent. On est sur le point de conclure la chose. Maintenant, on va au laboratoire ASAS. Maintenant, pour la chaise, devient compliqué. J'ai eu un cas comme ça. Le frère dit non, sœur, on arrête la chose. La sœur dit non, moi j'ai la foi. Dada Samini kuna imani. Allez vous entendre. Lui refuse. Non, je dis non, on ne doit pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Commencez par là. Il n'y a rien. Comme quand je pars quelque part, je suis au niveau du bifurcateur. Je vais à la Likasi, mais je prends une autre route, Katenga. Après 5 minutes, c'est plus facile de revenir. Je ne suis pas très loin. Mais après 1h30, je suis presque à Katenga. Pour revenir, c'est compliqué, vous voyez. Ça pose des problèmes. Il n'y a pas ça parle. C'est comme les gens qui demeurent dans la fausse doctrine pendant longtemps. Et quand ça monte, on a pour retourner, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu véritable, Christ, peut se tromper, mais il est impossible qu'il demeure dans une fausse doctrine pendant des années. Non, ça n'existe pas. Na. Même dans un mariage, Atamundoa, la femme peut se fâcher. Elle part d'après une semaine, mais après 20 ans, elle s'est déjà souillée. Elle a des enfants. Comment va-t-elle revenir? Ça devient compliqué. Faites ça. Même avant qu'un frère lui demande la main, notre culture est mauvaise, excusez-moi. Si je posais la question, combien connaissent le groupe sanguin? Peut-être moins de 50%. Ça
C'est pour ça que nous sommes. Il y a des gens qui ne connaissent pas le groupe sanguin. Il y a même des frères. Il a 50 ans. On n'a jamais prélevé sa tension. Il tombe, il meurt. Et c'est l'hypertension. C'est notre culture. Pour aller à l'hôpital, il faut être malade. Non. À un certain âge, il faut le checking. On passe à prévenir les choses en amont. On a besoin. Vous avez des enfants, vous ne connaissez pas le groupe sanguin. Même en cas d'accident, quel est ton groupe? Michiyue. Tu entres la vie et la mort. Si vous avez des grandes filles, faites ça. Si vous savez que ma fille est AS, là vous devenez vigilant. Et attention avec un frère AS. Parce que tu es AS. Même toi frère, si tu le sais à l'avance. D'accord, il y a toutes les conditions, mais avec ça aussi. Je ne dois pas épouser une fille AS parce que nous aurons des problèmes. Donc il faut faire ça. Mais vous êtes libre. Dans certains pays, c'est obligatoire, comme aux États-Unis. L'État exige ça. On ne peut pas marier deux personnes à S. Non, non, non. Non. Mais si vous voulez avancer, ça vous regarde. Ça, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est ton rapport avec les examens prénuptiaux. Ces examens sont indispensables. On ne peut pas les contourner. La deuxième chose maintenant. Tu as appelé ça, ça? Le vœu, on ne peut pas les annuler. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Donc, il faut prendre toutes les précautions. Pour faire les choses correctement. Il y a une période de fréquentation. Il y a des amitiés en dehors du mariage. Pourquoi Maurafiki, Inja Andoa? Tout ça dans le monde. Il y a des collègues de classe ou de promotion. Pourquoi Rafiki, Bajirani, Beonafunda? Mais si on poursuit un but, on ne se fréquente pas pour avoir des rapports intimes. Amuji fréquenter du moins kulala ou kupatana mumwili. On poursuit quelque chose, on veut déboucher dans quelque chose. Je sais découvrir si la personne est sincère. Si elle est honnête. Et vice versa. Il faut un minimum d'honnêteté et de sincérité. Parfois, j'ai pitié de certains frères. Au pasteur. Je vais aller visiter la sœur. J'ai trouvé notre frère, il m'a menti, tout ça. Mais il continue, tu es malade, toi. Est-ce une menteuse? Elle n'est pas sincère. Tu peux épouser une femme qui n'est pas honnête et sincère. Quel aveuglement ça? Un chrétien, c'est un gentleman. Le Christ est un gentleman. Il est honnête. Il y a des choses qui sont des obstacles. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il ne peut pas commencer mon mariage. Il doit attendre que Dieu le guérisse complètement. Il ne peut pas porter la mort à l'autre. Ce sont des sentiments chrétiens. Il ne peut pas porter la mort à l'autre.
Le mariage est basé sur le sexe. Ndoa ni kupatana mu mwili msingi yake. Donc tu n'es pas capable de réaliser la chose. Sasa wewe una uwezo kupatana mu mwili. Et tu le sais. Na unajua vile. Pourquoi épouser une femme? Unaoa nini? C'est méchant ça. Chuku na romba. Il y a des soeurs comme ça. Kukupatana na vile vile. Elles vont, il n'y a rien. Enda kundoa hakuna namna patane mwili na bwana yake. Tu n'as jamais connu d'homme, c'est comme ça, c'est pendant 5 ou 6 mois. Kadili ya miezi. Et quand on a posé des questions, c'est comme vous voyez. C'est méchant. Tu l'as trompé. Tu l'as trompé. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Pourquoi tu ne peux pas surprendre l'autre? Tu cherches de comment tu chamois une. C'est comme tu as une maladie, une tare par exemple. Kwa mfano kwa mgonjwa penisposer notre part. Uko na malaria mudamu unaweza pa cacher. Inezi kuvuruga ule mwingine. Hapana kumfichika yake ikute akaivumbule baadaye. C'est comme le cas d'épilepsie. Iko sa kifua. Chez l'homme ou chez la femme. Kwa mwanaume au mwanamke. Cache. Unamfutika usema unamkaa kifua afa unamfutika. On fait le mariage. Munawana. La première nuit. Ce sont des crises. Anaka kifua afa. Sio mzuri. Est-ce bien ça? Tu dois le lui dire en amont. S'il s'engage connaissant la chose, c'est bon. Et il y a des familles qui cachent ça. Il ne faut pas dire. Le frère se découvre après le mariage. Dieu m'a trompé. C'est un mensonge. Le mariage est basé sur le mensonge. On doit être honnête et sincère. On se dit les choses ouvertement. Je connais des cas. Le frère est malade ou la soeur. Il dit la vérité. Et le frère s'engage. Dieu va nous aider. Et ça c'est correct. C'est propre. On ne doit pas dire le mensonge. Et ça crée des problèmes. Quand on dit la vérité, Dieu agit. Quand vous mentez, ça se complique davantage. Il y en a qui ont menti. L'homme ou la femme découvre. Je pars. Vous êtes perdant. Qu'est-ce que vous allez gagner maintenant? Le mensonge. On doit être honnête, on doit être sincère, pas de mensonge, on ne cache rien. Si on m'a amputé la main, j'ai une prothèse, qui se confond facilement à une main naturelle. Ça c'est une prothèse. Tu dois lui dire que une prothèse, ce n'est pas une main. Bah, on va la nuit quand j'arrive, je dis, ça ne va pas se voir là. On ne cache rien. Hakuna kufichana kitu. J'ai déjà vu une sœur quelque part. Nisha unaka dada moja fazi moja hivi. Ah, c'est pas sœur. Elle enlève froid de tête. Il n'y a rien sur la tête. Anatosha kitu kama ni perruque au kichwa au kitambala. Eko na kitu, eko na riba la au kichwa, hakuna nywele. Donc elle portait une perruque. Alikuwa anavaa ka perruque. Je parle sans ses cheveux. Kitu lanzo na sani nywele yake. Ça, il faut signaler quand même. Tu n'as pas de dada. Comment on arrive là, on a semelé. Peut-être l'homme a été séduit par la perruque. La première nuit, il est séduit. La femme est chauve. Bibi, on arrive là, on a kipara. Donc, il ne faut pas cacher les choses. Tu suis fatigué, il est bitu. Ce n'est pas bien. Aina muzuri. C'est une honte. Un chrétien ne cache rien. Mon Christ, on a semaka kweli afichake kitu. Si j'ai un problème, je l'ai ouvert. Je ne cache rien. Comment tu sais ma wazi wazi? Et on n'a pas peur de quelque chose. Na togope kitu. Si je sais que je vais mourir dans un mois, je vous le dirai. Comment na joke sema takufa mwezi? Dans un mois, je meurs. Mwezi mwa takufa. Tu caches quoi? Tu fichika nini? Donc, on doit faire attention. On n'a pas chafanya ngalisho. Et avant de conclure le vœu. Na mbele amoku fanya biapo. Tout doit être réglé. On n'a pas chaque sécurisant pas mambo yote. Tout doit être réglé. On n'a pas chaque sécurisant pas mambo yote.
Même le dossier de la virginité. Ata mambo ya obikira. Tout est réglé. Vous devez nous accorder. Parce qu'on a des problèmes à ce sujet. Et ça sont les sœurs. Nani badada? Les familles sont embrouillées. Majama inavurugwa. Non, je suis bien, je suis bien. Oh, niko siaguswa kaningali bikira. Enfin, on donne même la dot. Bwana analeta na mari. Le mariage est même consacré ici. Banatole anandoa apa. La première nuit. Usiku ya kwanza. L'homme découvre qu'il a été trompé. Duko na vumbula usema dada na bikira mulandaka. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas dire ça. Huko badada bwana ambia babinti ushimoneshe. Dira sala après. Utamonesha kakisha. On commence à voir des frères fils d'Abraham. Il y a juste après la parole de Dieu. Ce n'est pas bien. Ou même avant la dot. On a convoqué la famille. J'ai un dossier à régler. Est-ce que vous allez me pardonner? On commence toujours comme ça. Il y a des frères fers, il n'y a pas question. S'arrête. Maintenant, c'est une honte. Sasa shi ni haya sasa kwako. Tes tantes qui ne voient pas comme ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On te va facile à Jay, maman. On a rompu parce que je ne suis pas vert. Bana ni katala njushi na bikira. Ah, mais oui, ils ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. Ça va tourner à ta honte. Pita kuleta haya we moya. Ça va tourner à ta honte. Utapata haya we moya kama unalanda. Et vous, frères, ne soyez pas brutaux. Une vie intime. On ne peut pas poser la question dès le premier jour. Es-tu vierge? Non, non. Mais un chrétien sage, il peut parler. De façon que la jeune fille comprenne que cet homme tient à épouser une fille vierge. Elle comprend seulement ça. Binti bikira anaelewa vile. Et là elle peut lâcher. Na pala anaweza kukatala kama na bikira atakata. Proprement. Ya bien tu anakatala loake. Mais quand on tend vers la conclusion, là je peux poser une question directe. Pale kama tunaanza kufikia karibu na kufunga ndo pa inaweza kuuliza waziwazi. Mais déjà dès le départ, je peux montrer mes aspirations. Kumwanzo kule naweza kuonesha tumukusema kwangu naonesha kusema mimi napenda kuoa bikira. Il y a des sœurs honnêtes qui ont fait la parole de Dieu et qui ont été pardonnées. Il y a des frères qui nous voient. Ils passent, je parle avec la sœur. Pendant les temps d'ignorance, quelque chose est arrivé dans sa vie. Parfois, il y a des sœurs qui n'ont pas une mauvaise vie. Violée étant très jeune. Ou c'est son oncle qui a fait ça. Ou son grand frère. Ou son beau frère. Étant jeune. Ou sont des bandits. Vous voyez. Il y a des choses qui sont arrivées comme ça. Même parfois, quelqu'un, il sera une mauvaise vie. Avant de venir à la parole de Dieu. Elle est courageuse. Et le frère nous voit. Il savait, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va consacrer mon mariage? Oui, nous allons consacrer. D'abord nous-mêmes. On ne pose pas la question aux jeunes sœurs. Ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Oh, les robes blanches, c'est pour les vierges. Oh, c'est faux. Bongo. Je crois que ça, c'est une mise au point. Et il faut que chacun comprenne ça. Il n'y a pas de l'état, il n'y a pas de l'état, il n'y a pas de l'état. Vous les jeunes et vous les sœurs. Ça va. Ça va. Je crois que ça va comme ça. Et frère Branham, donc, Branham, il est très sévère. Il est très sévère. Quand il parle de vertu donnée à la femme, il ne doit pas l'essuyer. Si elle a su l'une de ses vertus, elle doit arranger la chose. Et si elle l'a pas fait,
Même après 10 ans, si le mari l'apprend, il a le droit biblique de la répudier. Et ça, c'est très grave, mes frères. Et on doit faire très attention. Maintenant, nous allons nous lever pour la parole. Genèse 24, versets 12 à 14. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bon temps vers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et le fils des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta que je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra? Bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Apocalypse 21, le verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Puis un de ces anges qui tenait ses troupes en plus de ces derniers flots vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Seigneur Dieu, merci pour cette portion de la parole que nous venons de lire. Nous sommes devant ta face. Nous nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur. Et puissions nous dans tes voies. Accorde-moi ce qu'il faut pour l'édification de l'Église. Donne-moi des mots justes, Seigneur, pour parler à ton peuple. Nous croyons que tu l'accorderas. Et nous avons ainsi demandé avec toi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous tirons notre inspiration du message de Frère Branham intitulé « Le choix d'une épouse ». C'est un message prêché, je crois, le 29 avril 1965. Moins d'une année avant sa mort. Sont ses prédications. Il a pris son. Pour le jeune, je vous recommande cette brochure. Babiana na miomba musome imahubiri. Uchakuwa bibi harusi. Les gens du monde aiment leurs choses. Watu wa dunia banapendaka bitu yabo. Regardez, les livres parlent du sexe. Mwone bitabu yenye kusumuzia mambo kupatana mumwili. Sont vendus à grande échelle. Ben, tubeko na biuza sana, sana. Ça nourrit leur esprit. Même les sites sales. Atama site ya ma pornographie. Mais nous chrétiens, ça doit nous frapper. Shiba Christo, chakula yetu ni neno. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Mutumishi wa Mungu alisema nini pa imambo? Ça veut que nous vivons un temps spécial. Tunaishi wakati wa upekee. Un temps spécial. Kizazi ya upekee. Dieu a fait l'histoire du salut. Mungu alifanya historia ya wokovu. Dieu nous a visités par sa parole. Na alitutembelea kupitia neno lake. Nous sommes un peuple à part. Tuko watu wa upekee. Nous avons des choses qu'on trouve pas ailleurs. Tuko na bitu bile dunia ina nayo.
Ces choses nous sont dessinées. Na ni bitu byenye kutuelekea. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Bitu byenye kufichwa ni bya Mungu. Les choses révélées nous appartiennent. Byenye kufunuliwa ni byetu. C'est une richesse que Dieu nous a confiée. Ni utajiri Mungu alitupatia. Parce qu'il est sûr que nous allons le mettre en pratique. Dieu qu'on a kikisho kusema tutabitumikia. On doit le vivre. Napasha kubishi. Psaume 119. Zaburi 119 mstari wa 9. Quand on est jeune. Wakati uko kiana. Comment mener une vie pure? Utaishi je maisha safi? En obéissant la parole de Dieu. Ni wakati uko na ti neno la Mungu. La génération de toute parce qu'elle n'écoute pas la vraie parole. Bijana banaribika jua basikie neno ya kweli. Mais vous avez le privilège. Mwe hapa mnapata bahati. D'écouter la vérité. Ya kusikia kweli. Mettez cela en pratique. Muitumikie. C'est comme un médicament. Iko sa dawa. Peut aller vers un bon médecin. Onda unaweza kwenda kwa munganga, anajua kazi. Il te prescrit de bons médicaments. Anakuandikia madawa ya mzuri. Mais il faut le prendre. Unapasha uikunwe. Mais si vous regardez dans la mort, vous allez mourir. Kama unaichunga mkabati yako, utakufa na magonjwa yako. Il y a des gens comme ça. Kuko batu vile hapa. Il a des pourris, il ne les prend jamais. Eko na madawa mkabati yake asikunwe. Il y a des gens qui viennent ici, bengine beko na kuya, qui écoutent la vérité, beko nasikia kweli, mais qui ne la mettent pas en pratique. Lakini abaitumikie. Et Jésus a dit, Yesu alisema, ce sont des insensés. Ni bapumbafu, wale watu wa vile. Ils ont construit leur maison sur les sables. Walijenga manyumba yabo juu ya mchanga. Attendez que la tempête vienne. Chunga zoruba ikui. La maison va s'écrouler. Bat nyumba ile itapomoka. L'église est un centre d'entraînement. Kanisa ni fazi tuwarujizowesha. Dieu nous entraîne. Mungu anatuzowesha. Et nous allons sur le champ de bataille. Na tuna fazi ya kumania vita. Pour mettre en pratique la parole de Dieu. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Mushanze tukushikia kusahau. Mettez en pratique la parole de Dieu. Tutumikieni neno la Mungu. Nous avons lu une histoire inspirée. Tulisoma habari moja hivi. Il est au temps d'Abraham, le père des croyants. Ya wakati wa Ibrahimu baba wa waaminifu. Nous n'avons qu'un seul père. Tuko na baba mmoja tu. Dans la foi, muimani, c'est Abraham. Ni Ibrahimu. Vous qui cherchez la justice. Kama unatafuta haki. Tournez vos regards vers Abraham. Muangalie namna Ibrahimu alitendaka. C'est le père des croyants. Jo baba ya waaminifu. Il avait un fils de la promesse d'Isaac. Alikuwa na mtoto wa malako Isaka. Il s'agit du mariage d'Isaac. Na hapa ni mambo ya ndoa ya Isaka. Qui est le type de Christ. Yeye mlikuwa mfano wa Kristo. Un type parfait. Ni mfano kamilifu. De Christ. Ya Kristo. Et toi, il a pris des dispositions spéciales. Abraham. Ibrahimu. Il a regardé parmi ses serviteurs. Aliangalia kati ya batumishi yake. Il a pris le serviteur le plus ancien, le plus expérimenté. Akabeba mtumishi wake yule mkubwa mzee sana wa zamani. Jo ile kazi ya kutafutia mtoto wake bibi. Et il a fait même jurer. Na akamurapisha. Tu dois jurer que tu vas observer mes instructions. Usimu utatumikia maagizo yangu. Tu iras dans ma patrie. Utaenda muinchi yangu. Pas ailleurs. Hapana fazi ingine. Un chrétien épousera toujours une chrétienne. Mukristo mwanaume anapasha kuoa paka mukristo mwanamke. Le vrai fils d'Abraham observe cette disposition. Batoto wa Ibrahimu bakweli beko naoa paka ba Kristo. Cet homme devait partir. Eliezer alipasha kaende. Une mission difficile. Ilikuwa kazi ya nguvu. Il a expliqué la chose à Abraham. Akamufasiria kitu Ibrahim. Abraham lui dit. Ibrahim akasema. Le Dieu que je sais. Mungu unatumikia yeye moyo. Il enverra son ange. Atatuma malaika wake. Il y a une main invisible qui va t'accompagner. Kuko mkono isionekana itakusindikiza. Ça sera un acte surnaturel. Itakuwa tendo ya kiroho. Toi va seulement. Wewe ende tu. Ce que Dieu a fait avec nous. Dieu voulait Mungu alifanya nasi. Je t'ai montré l'épouse.
Nitakuonesha bibi harusi. La femme de l'agneau. Muke wa mwana kondoo. Quand on parle de l'épouse, on n'a pas inventé, ce sont des choses bibliques. Wakati unasema bibi harusi atukubitunga tumia mu Biblia. Il y a beaucoup de dénominations. Kuko mazehebu mingi. Mais parmi les dénominations. Lakini kati ya mazehebu. Il y a l'épouse de Jésus. Peko muko bibi harusi wa Yesu. Il y a beaucoup de femmes à Lubumbashi. Kuko bana muke ba mingi ku Lubumbashi. Mais parmi toutes ces femmes. Lakini kati yabo. Chacun a sa femme. Kila mtu yuko na bibi yake. Mais toi, toutes les femmes sont tes femmes. Oui, tu es quel genre d'homme? Tu ne fais pas la différence. Les belles sœurs, tu les couches. Les tantes, tu couches. Mais tu es quel genre d'homme? Je l'épouse, la femme de l'agneau. Il y a beaucoup de dénominations, mais il y a l'épouse. Et Dieu, pour avoir cette épouse, il a un mécanisme. Ça, c'est un type parfait. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Nous l'attendons. Nous le verrons. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est une action surnaturelle. Isaac lui-même, sa naissance, on ne pouvait pas l'expliquer. Son père, très avancé, sa mère dans la ménopause, sur le plan scientifique. On ne pouvait pas expliquer la chose. Et nous aussi, notre naissance est spirituelle. Quand les gens nous regardent, ils ne voient rien. Mais nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes. Et il est parti. Il fallait trouver cette épouse. Comme je l'ai toujours dit, le serviteur a placé la barre très haut. Frère, si on veut une femme, on doit être strict, sévère, on doit être minutieux. Est-ce que je peux ramasser une femme sur la rue? Même au bar. Il a placé la barre très haut. Je me tiens ici. Le fils de l'engin, les filles des gens de la rue vont venir puiser ici. Mais j'ai un message. Cette femme doit accepter mon message. La barre était placée très haut. Quel est le message? Le message a deux parties. La première partie, je vais ordonner à la jeune fille de me donner à boire. Ça, c'est moi. Deuxième partie de mon message, c'est maintenant elle-même qu'elle dise, je vais aussi abreuver ce chameau. Frère, la barre était placée très haut. Abraham a dit, Ibrahim alisema, le Dieu que je sais, lui-même enverra son âge. Si la femme refuse, tu seras dégagé du serment. Frère, quand on sert Dieu, c'est différent de servir dans une dénomination. Dieu est responsable de sa parole. Je parle avec un frère, un jeune prédicateur. Il dit, parce que je suis triste, j'ai prêché, personne n'a cru. Et ça, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui appelle. Toi, tu dois prêcher.
C'est comme la guérison divine. Aucun prédicateur n'est guéri. Même Branham n'a guéri personne. C'est Dieu qui guérissait par feu Branham. Parce qu'il ne guérit pas mon problème. Je prie pour un malade, il meurt. Je veux continuer à dire Jésus guérit. Ça ne change rien. C'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas mon affaire. Et si Dieu guérit, ce n'est pas ma gloire, c'est la gloire de Jésus-Christ. C'est pour sa gloire. Rebecca se trouve quelque part. Dieu entre en action. Dieu parle au cœur de Rebecca. Va maintenant puiser. Pas avant, pas après. Pas avant, pas après. Au temps opportun. Va maintenant puiser. Notre Dieu se révèle planificateur. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. Non, je l'ai raté parce que je suis pauvre. On l'a fiancé hier. Moi j'ai dit aujourd'hui. Non, ça ce n'est pas notre Dieu. Le meilleur planificateur. Même dans le royaume de Dieu, toute chose arrive en son temps. Ça ne dépend pas de moi ni de vous. Il faut que le temps de Dieu arrive. Si le temps de Dieu est là, la chose arrive. Ça ne peut pas échouer. Ça, c'est notre Dieu. Rebecca apparaît. Eliezer, sur un ton autoritaire, donne-moi à boire. Voudrais-tu me donner à boire? Donne-moi à boire. Elle a donné. Dis ça va. C'est la première partie de mon message. Maintenant la deuxième. Ça doit venir de la jeune fille. Il n'a pas soufflé un mot. Dit Abraham a dit. Ibrahim que le Dieu qui sert enverra son âge. Il attendait. Le Saint-Esprit parle au cœur de Rebecca. Dis ça. Dis, je donnerai à boire à Tishah. Restait un travail très dur. Les chameaux sont des animaux du désert. Un chameau peut prendre 200 litres d'eau. Il y en a une dizaine. Quel travail pénible. Il y a quasi un gouffre. Abreuver les chameaux. Eliezer dans son cœur. Eliezer il dit le Dieu d'Abraham est vrai. Elle a travaillé dur. Pour abreuver ce chameau. Sont les mêmes chameaux qui l'ont amené vers Isaac. Frère, c'est un temps de sanctification. Un temps de purification. Ne soyez pas distrait. On est à l'œuvre. Nous obéissons aux instructions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Frère Branham est mort, mais laisse continuer à agir. Qu'est-ce celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Tout ne s'est pas arrêté avec la mort de Frère Branham. Il agit.
Même ce matin, il est à l'œuvre. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici ce matin, Dieu conduit le pas de juste. Il y a un but pour lequel il a fait que vous soyez là. Il n'y a pas de hasard. Pour attraper cette épouse, la barre était placée très haut. Les élus sont des vainqueurs. Ils ont lutté. Ils ont vaincu. Nous sommes dans un âge mauvais. Qu'on appelle la Odyssée. Le pire de tous les âges. Et c'est dans cet âge que Dieu veut manifester son épouse. Un âge mauvais. Et Dieu vous a appelé pour être compté parmi ces vainqueurs. Et nous devons vaincre. Et l'une façon de vaincre, ce n'est pas la parole. Pas autrement. On a besoin d'une épouse parole. Des hommes et des femmes totalement attachés à la véritable parole. Nous négligeons rien. Pour nous, même le plus petit détail compte. Nous sommes appelés à une haute élection. Le choix d'une épouse. L'homme de Dieu, Abraham, dit: le choix est capital. Le choix est capital. Dans bien des situations de la vie, nous sommes appelés à opérer des choix. Ou à prendre des décisions. C'est un homme. On doit choisir. Notre mode de vie, c'est de notre choix. On a choisi. Il y a des jeunes filles. Dis-moi, je serai prostituée. Et dit ça à son père: moi, on ne va pas m'épouser. Moi, je serai prostituée. Elle a choisi ça. Ce sont des choix. Et dit ça à la famille: moi, c'est la prostitution. Vous les laissez. Elle voulait ça. Et on la laisse. Elle fait la prostitution avec toutes les conséquences de la prostitution. Il y a même deux frères. Son père a deux moyens. Il refuse d'étudier. Jamais. C'est son choix. Et vous avez déjà comme ça. Le mot de vie. Même sur cette terre, il y a un choix à faire entre le bien et le mal. Moi, je serai bandit à mes armées. C'est son choix. Il a choisi le mal. Dis-moi, je choisis le vrai. Le bien, il choisit ça. On doit choisir. Et c'est capital. Même ce matin, Dieu nous place devant le même choix. Mais notre nature est mauvaise. C'est prouvé depuis le jardin d'Éden. Avec Adam. Dieu a placé devant Adam le bien et le mal. Regardez la nature de l'homme. Il a choisi la mort. C'est comme ça que nous sommes. Seule voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la mort.
En tant qu'homme, nous sommes incapables de faire un bon choix. Atuna na uwezo wa kuchagua mzuri. Ça, il ne faut pas oublier, frère. Tushisabu imambo. Il ne faut jamais oublier cette chose. Tushisabu hiki kitu. Comme humain, batu, comme mortel, binadamu, nous irons toujours du mauvais côté. Tutenda c'est comme ça que nous sommes. Jo vile tuko. Incapable de faire un bon choix. Atuna na uwezo ya kuchagua mzuri. Même la destinée terrestre, c'est un choix. Ata kwenye tutaenda kuishi milele, ni, tunapaswa Dieu kuchagua. A placé la vie et la mort. Mungu anaweka uzima les gens eux-mêmes choisissent la mort. Batu bo benyebe yungu na chakula lufu. Je parlais avec un couple. Il y a plus ou moins deux semaines. L'homme est dans la boisson, les femmes, tout ça. J'encourageais la soeur. En présence, tu dois l'oublier. Lui, il a choisi l'enfer. Et il ira en enfer s'il n'arrête pas cette vie. Il a choisi. Si tu choisis la prostitution, le jour où tu attrapes le sida, ne t'étonne pas. Non, oh, ce sont les sorciers. Oh, non, non, non. C'est ton choix. Et ça, c'est un suicide volonté. Tu l'as voulu. Si tu meurs en temps terre, c'est fini. Si tu es mon petit, est-ce que moi je vais commencer à pleurer? Toi, tu as choisi la mort. C'est comme quelqu'un qui se pend. Et nous allons pleurer. Il s'est donné la mort. C'est son choix. C'est capital. Mais parmi cette multitude de choix, nous, pas pour les autres. Nous avons deux plus grands choix. D'abord, c'est Christ. Ça, on a choisi Christ. Avant toute chose, c'est notre premier choix. Nous sommes allés du côté de la parole. Ça, c'est le plus grand choix. Et le Seigneur a dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. D'après la parole, les paroles du Seigneur, un homme sans Dieu, c'était malheureux. Il peut avoir beaucoup d'argent. Président des États-Unis d'Amérique. Mais sans Dieu, sans Dieu. Pour Dieu, c'est un pauvre. Beaucoup négligent la chose importante. Et nous, on a fait un bon choix. On a choisi le Seigneur Jésus-Christ. C'est le meilleur choix. Par haute croissance. Après ça, c'est le choix d'un compagnon ou d'une compagne. En deuxième position, c'est ça. Et chacun doit faire ça. Vous comprenez pourquoi je disais, j'ai dit au vendredi. Mais que nous, je ne sais pas. On ne peut pas demander à un ami de trouver une femme. Non. Je peux demander à un ami de m'acheter une voiture. De me trouver une maison à acheter. La femme, c'est mon choix. Est-ce que vous comprenez? Même vous, soeur, vous devez accepter le choix. On n'a pas choisi Tika. Moi, ben, on n'a pas choisi Tika. Ici en Afrique, il y a des choses terribles. C'est en voie de disparition. La jeune fille ne connaît rien. Les choses s'arrangent au niveau des parents. Mariage forcé.
Anenda kumkazisha ndoa ule binti. Ah, tu pars avec. Wende na ule, ndio bwanako. C'est pas juste. Aina mzuri kutenda vile. Dieu n'aime pas des choses comme Mungu ça. Mungu apendake vitu vya vile. Chacun doit décider en toute liberté. Kila mmoja anapaswa kukamata mpango na uhuru yote. Même nous parents chrétiens. Attaché bazazi ba Kristo. Nous devons aider nos enfants. Pasha saidia batoto yetu. Et le vrai chrétien respecte les parents. Beko na heshimia bazazi. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. On n'est pas dans la rébellion. Atuna bantomboji. Nous collaborons avec les parents. Tuko na sigilizana na bazazi. On va dans l'harmonie. Tunaenda katika upatanisho. Un mariage, c'est une forme de joie. Ndoa ni mambo ya furaha. Mais il y a des mariages qui commencent avec des tensions. Ce n'est pas juste. On doit faire très attention. C'est un choix capital. Ce que Fromm dit, le choix est capital. C'est une chose sérieuse. Et ça, je dois lire. C'est important. Paragraphe 35. Maintenant, c'est une chose sérieuse. Quand il faut choisir une épouse, tu as bien traduit, mon frère. On ne fait pas ça avec légèreté. Proverbe 20-25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement. Quand tu fais des choses avec légèreté, tu tomberas dans ton piège. Tu te pièges toi-même dans une direction, c'est dangereux. Je peux jouer avec d'autres choses. Mais quand il est question de mariage, là je deviens sérieux. Il y a des païens plus sérieux que les chrétiens. Ils couchent les filles. Mais quand le temps arrive pour le mariage, il cherche des filles correctes. Il abandonne tout le reste. Toutes celles avec qui il a sont plus sérieux que les chrétiens. Abafanya miza bana pita kuna bakristo bengine. Soyons sérieux. Tuache miza. Sœur, soyez sérieuse. Acha miza. Jeune frère, soyez sérieux. Dukukiana acha miza. Tu arrives à l'université. Unafika ku université. La première année. Mwaka ya kwanza. Tu viens de quelque part. Il se réveille de quelque part. Tu la vois la première année. Tu l'aimes. Est-ce que tu connais son passé? D'où vient-elle? Ses antécédents? Ça, c'est une légèreté, ça. Parce qu'elle est bien bâtie. Elle marche bien. Soyons sérieux. C'est un choix sérieux. Cette femme-là, cette sœur, sera la mère de tes enfants. Si tu fais un mauvais choix, ta famille sera complètement détruite. Soyons sérieux. C'est une chose sérieuse. Cependant, notre fréquentation en nous, ça débouche dans un choix. Pendant la fréquentation, il n'y a pas de choix. J'essaie de voir si je peux la choisir. Oui ou non. Il n'y a rien. Parce qu'une fois que je prends l'engagement, je suis cuit. Pale kuna malizika, kuna je suis sur un point de non-retour. Pale kuna kurudia nyuma. C'est une réaction irréversible. Ni kwenda paka kumbele, kuna kurudia kunyuma. Et cela est conforme aux Écritures. Na ile inaambatana maandiko. Que votre oui soit oui. Dio yako ibakie ndio. Un chrétien, ce n'est pas oui, non. Non. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non.
Bon, nous devons ainsi nos enfants. On ne joue pas avec le feu. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Quand on a dit oui, c'est terminé. C'est un chrétien. Je ne peux pas me rétracter. Quand je m'engage, c'est terminé. C'est un vœu, seul la mort vous libère de ça. Nous nous comportons comme les gens du monde. Nous avons des choses que le monde n'a pas. Et Dieu a envoyé un prophète. Et nous a révélé la volonté de Dieu. Quand lui parle sur le vœu, et si tu promets, tu dois réaliser. Rompre cela équivaut à un divorce potentiel. Et il appuie cela avec les Écritures. L'histoire de Marie et de Joseph. Dans Matthieu, chapitre 1er. Joseph était fiancé. Youssouf était le mchumba de Marie. Il constate que Marie est enceinte. Je ne comprends plus rien. C'est un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer Marie. Dieu voyant son cœur, il a droit à la vérité. Dieu lui révèle toute la vérité. Mais ce qui est étonnant, quand Dieu parle à Joseph, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Et pourtant, c'était une fiancée. Et l'homme de Dieu s'appuie sur cette écriture. Et vous voyez, il faut faire attention. Ne faites pas de vœux à la légère. Soyez sûr que vous allez les tenir. Oui, non, oui, non, oui, non. On a des cas ici. On s'accepte. On se rejette. On revient. On se rejette. Même cinq fois. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Écoutez ce que Fram dit. Écoutez ce qu'il dit. Je parle 35. Un homme qui est dans son bon sens et qui prépare un avenir devrait choisir cette femme très soigneusement. Faites attention à ce que vous faites. On ne fait pas la chose à la hâte. Ici, prenez tout votre temps. Assurez-vous que le choix est correct. Soyons sérieux. Dieu nous a donné la procédure à suivre. Prenez votre temps pour la prière. Une prière sincère, profonde. Dis Seigneur, si tu ne m'aides pas, mais je suis foutu. Si je me trompe, mais je suis cuit. Pas une préfète à la légère. Prenez votre temps. Je n'ai même pas pour ça. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne connais pas la personne. Tu es séduit par l'extérieur. Mais tu feras les frais. Il y a des frères qui ont fait les frais. Même sur le plan de la santé. Il se revient.
On ne connaît pas son tonneau, elle a cru d'accord avec le Et on se précipite. Après une année, vous vous suivez. C'est comme une bête qu'on mène à la boucherie. C'est au prix de sa mort. Faites attention. Un homme qui prépare son avenir. Mutu mwanaume uliko natayarisha maisha yake ya mbele. Tu auras quel genre de fille? Utakuwa na babinti baje. Avec une fille de la rue. Na kama una chakula bibi mubalabala tu unalokota. Un jour le frère m'a vu. Chiku mwa ndugu mwana niona. Pasteur. Pasteur. J'ai perdu la femme. Mais avant j'ai vécu avec une prostituée ou deuxième quelque chose comme ça. Est-ce que je parle avec eux? Ça c'est très grave, frère. Que disent les Écritures? Nous nous marions dans le Seigneur. Mais tu vas prendre. Elle peut bien garder les enfants. Nous avons nos regards fixés sur la parole de Dieu. C'est capital. C'est très très important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens sont éloignés de Dieu. Dieu nous a montré comment nous devons nous marier. Nous, nous imaginons qu'ils sont plus intelligents que Dieu. La Bible a raison. Telle voix paraît droite à un homme. Mais celui-ci, c'est la mort. Les voix des hommes, c'est la mort. La meilleure voix, c'est la voix de Dieu. La meilleure pensée, c'est la pensée de Dieu. Même vous qui êtes à l'université, c'est la science. Il est une science, mon affront. Mais Dieu est au-dessus de la science. On ne réfléchit pas avec la parole de Dieu. Nous croyons ce que Dieu dit. Alors qu'il se marie après 6 mois de divorce. Après 3 mois de divorce. Vous êtes seulement éloigné de la parole de Dieu. Revenons aux Écritures. Si vous voulez fonder un foyer stable, la fondation s'appelle Jésus-Christ, la parole de Dieu. Bâtissez sur ça. Pas sur vos pensées. Pas sur la philosophie. Pas sur les études. Fondez votre foyer sur la parole de Dieu. Regardez même le monde aujourd'hui. Il y a tant de divorces. Frère, en parlant des États-Unis dans ce message, on dit que c'est une nation chrétienne. C'est une honte. Il y a plus de divorces ici que dans le monde entier. Regardez 7 millions de divorces. C'est une honte pour une nation chrétienne. Mais vous, frères, comprenez que Dieu est la répudiation. C'est une chose à éviter. Il faut tout faire pour éviter ça. Ce n'est pas une bonne chose. Dieu est la répudiation. Ne sois pas infidèle à la femme de votre jeunesse. Soyons sérieux. Divorce. Il y a des gens qui divorcent à la légère. Vous comprenez les conséquences. Il n'y a pas plus d'une deux semaines, j'étais étonné. Le milliardaire américain, c'est quoi? Rockefeller. Bill Gates. Avec tant de richesses. Et ils ont divorcé. Bill Gates na bibi yake Melinda banachana banavunja ndo. Où se partager les richesses? Bana kutuba kabulani ile maoriti yao. Ce sont des scandales. Mali yao. Shidi bikwazo hiyo. Nation chrétienne. Icha se taifa ya Kikristo. Le Congo, c'est un pays chrétien. Congo ni nchi ya Kikristo. Regardez le nombre de divorces.
Mais nous les chrétiens, quand nous engageons ce fini, jeune frère, tu ne dois pas épouser une seule aujourd'hui avec la pensée divorcée plus tard. Les gens du monde sont des animaux. Ils sont des chiens. La Bible dit sont des chiens. Nous avons l'Esprit de Dieu. Regarde dans le monde, quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent. Si la femme vieillit, il s'en débarrasse. Cherche une petite fille. Parce qu'elle a vieilli. Mais pour le vrai chrétien, avec l'Esprit de Christ, plus il vieillit, plus il s'aime davantage. C'est une vie à part. Et on doit faire très attention. C'est pourquoi il nous faut un bon choix. Et un bon choix, il n'y a que la parole qui puisse nous aider. La parole est notre guide. Notre garde-fou s'appelle la parole. C'est-à-dire un chrétien Christo a des garde-fous. Et qu'on a visu iso. C'est comme une petite clôture. Incapable d'aller de l'autre côté. Je dois me mouvoir ici à l'intérieur. Je ne suis libre que dans la parole de Dieu. Là, je suis librement dans la parole. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. J'ai des limites. Le zélé, c'est pas une prétention. Nous sommes dans la vérité. Nous avons reçu le message de l'air. C'est pas ça. C'est une vie, une manière de vivre. Être élu, c'est quoi? C'est une prétention. Il y a deux choses. Votre vie s'accomplit seulement à l'intérieur de la parole. Et votre foi est conforme à la parole. Vous ne croyez que les choses qui sont conformes à la parole. C'est ça. Quand Jésus dit que les yeux ne sombreront pas sur lui, c'est parce qu'eux-mêmes sont une partie de la parole de Dieu. Un seul rejette tout ce qui n'est pas parole. Et Dieu nous a liés à sa parole. Dieu ne nous a jamais liés à un homme. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le message de l'heure. Et le message de l'heure doit être la parole de Dieu. Ça ne fait pas deux identités différentes. Si ce que tu dis n'est pas la Bible, ce n'est pas le message que tu mens. Tu mens. Le message, c'est la Bible. Et frère Branham, c'est un poète biblique. Si vous lisez la teneur de sa commission, il vient rétablir et nous ramène à la foi de Père apostolique. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est notre garde-fou. Les vrais croyants font tout en rapport avec la parole de Dieu. C'est pourquoi vous, jeunes, obéissez aux instructions de la parole de Dieu. Un mauvais choix, vous ruinez votre vie. Et on termine par là, je vous dis ce que Frère m'a dit. Parce qu'il est temps. Un mauvais choix. Paragraphe 39.
un homme devait prier sincèrement car il voulait ruiner toute sa vie. Il peut ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Et si la femme accepte un mari sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous avez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Vous ne devez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. On ne doit pas se hâter exagérément pour un mariage. Réglez chaque chose. Mettez-vous d'accord. Même sur les questions de la foi. Et Frère Franck dit, celui qui fait ça avec l'éjecté, c'est un mal qu'on ne pourra jamais arranger. Et vous m'avez dit, quand vous avez fait un mauvais choix, c'est fini. C'est fini. Vous êtes cuit. Et vous savez que le naturel puis le spirituel, et l'église est le type de l'épouse. Dans ce message, on va aussi en parler le dimanche prochain. Il a parlé du choix de l'église. On ne peut pas choisir une église avec légèreté. C'est un beau bâtiment. Il y a des gens les plus instruits ici. Le pasteur, il vient d'Oxford. Pasteur en tout cas, Oxford. De telle célébrité vient ici. Pastor, non, 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 apana, non, apana, apana. Non, 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 nous avons une boussole. Non, 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 dans notre choix. Ne vous écartez pas des instructions de Dieu. Frères et sœurs, ne vous écartez pas de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a des sœurs qui pleurent. Il y a des frères qui pleurent. Parce que c'était écarté de la parole de Dieu. Je suis incapable de bien choisir. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme garde-fou? Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, avec cette grande lumière, les jeunes se comportent comme si Dieu n'a pas parlé. C'est du jamais vu. Comme si Dieu n'a pas parlé. Il y a même des cas. Pourquoi t'as ma mambo moi tout le monde? Pasteur. On a déjà pris un rendez-vous pour aller dans la dot. La semaine après la nuit. Non, j'ai déjà perdu ma visite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est entre toi et Dieu. Si tu veux pardonner la kwangaria. Si tu refuses la kwangaria. Si tu on a katala comme ça mais ni mambo ya. Pasteur, moi c'est une vieille justice. Pasteur Milongo ni bikira. Maintenant, tu vas faire les frais. Ça va tourner à ta honte. Pourquoi tu as caché ça? C'est un choix minutieux. On doit être soigneux. Quand quelqu'un va au magasin pour acheter quelque chose, il le regarde, il le retourne, il n'y a pas un défaut quelque part. À la hâte, tu arrives, il y a un trou sur la veste. Non, 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 non
Il vient, je te montrerai l'épouse. Anasema kuja nitakuonesha bibi harusi. Une femme pure. Muke safi. Il y a des qualités. Eko na matabia yake ya mzuri. Une église sont des qualités de Dieu. Kanisa iko na matabia ya Mungu. Même l'enlèvement. Hata kunyanyuliwa. Dieu ne va pas nous enlever parce que nous croyons le message fort. Nous devons vivre le message. Il y a des instructions. Mettez ça en pratique. Vivez la chose. Et on doit refléter la parole de Dieu. Quand Jésus va revenir, frère, c'est un temps de confrontation. Nous sommes au Mont Carmel. Comme autant de prophètes ont dit. Élie était seul. Élie alikuwa peke yake. Avec le faux prophète. Nabale banabii ya babongo babali. D'ici Baal et Dieu. Anasema kama Baal ni Mungu. Mais suivez Baal. Mumufuate Baal. Mais si c'est l'Éternel. Kama ni Yehova. Servez l'Éternel. Tumikie Yehova. Il fallait faire un choix. Balipasha kuchagua. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il y a un choix à faire entre la parole et les interprétations. Chacun doit choisir. Voulez aller de quel côté? Les interprétations ou la parole? Il y a un choix à faire. Mais nous avons choisi la parole de Dieu. Élie était seul. Élie alikuwa ka peke yake. Contre tous. Mwenye kupinganishwa na bale ba banabii ya Baal. L'histoire va se répéter dans un futur très proche. Itafanyika baado kidogo hapa. Une pression sur l'épouse. Batatusonga chez bibi harusi. Il y a des gens qui vont lâcher. Uko batu bale batalekea batatwacha. Qui vont renier Jésus. Batamukana Yesu. Je ne connais pas ces gens-là. Mais nous, nous irons jusqu'au bout. Parce qu'on a fait un bon choix. Restez du côté de la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il y a des jeunes qui s'amusent, qui ne sont pas sérieux. Mais nous avons des jeunes sérieux. Nous avons des sœurs sérieuses. Des frères sérieux, étant jeunes. Qui tiennent ferme. Et Dieu l'a fait dans un vide, c'est pour sa gloire. Frère, nous serons des témoins contre ces générations. Nous serons des témoins contre ces générations. Il n'y a pas eu de vrais croyants. Nous à l'université. Elle est là. Elle est là. Elle était aussi à l'université. Mais elle est là. La situation est compliquée. On doit prendre quelque chose dans la caisse de l'État. Lui aussi a travaillé dans la musique. Il est là. Il n'a pas pris, il est là. Nous sommes appelés à une autre élection. Dieu nous a choisi. C'est ça l'élection. Pour la sanctification et pour la foi en la vérité. Et on doit travailler. C'est un choix minutieux. Ça ne doit pas faire la hâte. Même pour changer l'église, je dois bien voir. Il y a des frères quand ils voyagent. Ils disent, nous allons tel part, nous irons où? Allez là-bas. Mais écoutez les sons de la trompette. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera? Non, les pasteurs, non. Pasteur, non. Vous êtes des aigles. Moi, je suis un peu. Quand vous écoutez les sons de la trompette, quand vous avez fait les sons étaient clairs ou confus. Mais vous avez dit, vous dit, pasteur. Je suis arrivé. Il fica. Mais le son est confus. Là, cherche
où trouve là où il y a un son clair. La trompette doit rendre un son clair. Et la vérité ou la vraie parole rend un son clair. Ce sont les enseignants qui rendent un son confus. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour ce précieux message. Il a envoyé un prophète qui nous a révélé la volonté de Dieu. Comment nous devons agir? Soyons dociles. Marchons dans l'obéissance. Ne soyez pas têtus. Tous les têtus feront les frais. Jeune sœur ou jeune frère, vous ferez les frais. Si vous vous paierez pour ça. Et si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. J'honore celui qui m'honore. Nous portons la responsabilité de l'honorer. Et Dieu nous a honorés. Regardez le nombre de dénominations. Mais Dieu vous a choisi. Dieu m'a choisi pour que nous fassions partie de l'épouse. Frère, c'est une autre élection. Et il a même placé la barre très haut pour nous avoir. Le secret de Dieu, c'est la parole. Ce qui a été dit à Frère Branham, il a entendu le message, mais je serai. Il y a eu des songes. Quand il a interprété un de ses songes, il dit l'unique façon de les garder, ça doit être autour de la parole de Dieu. On ne peut pas vous garder autour d'une personne. On vous garde autour de la parole de Dieu. Les élus véritables, pour les attraper, il faut la parole de Dieu. Pas autre chose. Nous sommes très sensibles à la parole. Qu'est-ce qui a deux oreilles? Écoute ce que l'Esprit nous écrit. Plus nous avançons, plus je deviens beaucoup clair. Jeune sœur, Dada, vous êtes une perle de grand prix. Dieu vous connaît. Dieu compte sur vous. Jeune frère, Dieu compte sur vous. Nous nous vieillissons. Les forces sont en train de partir. Il faut une génération solide. Des hommes et des femmes, des gens dont les vies sont totalement dédiées au Seigneur. Fuyez les passions de la jeunesse. Alignez vos vies sur les besoins de la parole de Dieu. Et marchez de façon à donner gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le choix d'une épouse. Dans l'introduction, on a parlé du choix qui est capital. Et qui doit être fait de façon sérieuse. Notre regard, vous, c'est la parole de Dieu. On va continuer. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? C'est un bon père de famille. Il veut nous préserver du mal. Ça, même pour servir Dieu. S'il y a des troubles à la maison, vous vous battez. Elle a trop dansé avec le voisin. Mais vous serez troublé. Il n'y a rien qui puisse briser le cœur d'un homme comme une femme qui commet l'adultère. L'homme devient inconsolable. On doit faire attention. On pas chauffé un galis chaud. Il y a combien d'unités? Comment ça? C'est du jamais vu ça. Ni mambo kutushangai shayin. On est loin de cette saleté là. Chitu kombari nele buchafu ya busharati. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Et je remets le service pour le temps du culte. Na rudisha ibada kwa kiongozi.
On continue mardi, mercredi, et on va corriger certaines choses. Nous sommes des chrétiens. Faites attention. Revenez à la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Suivons ses instructions. Parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui s'écartent maintenant des instructions. Et c'est très dangereux. Que le Seigneur vous bénisse. Et de Dieu. Thank you.
Tusimame wote. Et remercions tous ensemble le Seigneur.
Puissant. Baba mbingu Mungu Mwenyezi, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Tunakupigia asante asubuhi ya leo kwa neno lako. Tu nous as réellement parlé comme un père parle à ses enfants. Kweli kweli ulisema nasi kama baba anasema na watoto wake. Merci pour ces instructions qui ne concernent pas seulement les enfants, nos enfants. Asante kwa hii maagizo haihusu tu paka watoto wetu. Seigneur, ça nous concerne aussi. Inatuhusu vile vile sisi wazazi. Seigneur, permet que nous puissions nous conduire selon ta parole. Que nous ne puissions pas nous écarter de ta pensée, Seigneur. Que nous puissions garder ta parole en toutes circonstances. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'avons choisi. Nous avons fait le choix de suivre tes pas, Seigneur. Ce n'est pas une route facile. Aide-nous à nous conformer à ta parole, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est un chemin semé d'embûches. Soutiens notre foi, Seigneur, afin que nous puissions arriver jusqu'à destination. Sois glorifié en toutes choses. Et toi qui as commencé tes œuvres en nous, Seigneur, fais en sorte que nous puissions arriver jusqu'à destination. Et l'honneur et la gloire te soient rendues en toutes choses. Parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu achèveras l'œuvre que tu as commencée. Soutiens ton serviteur qui a parlé. Oh Dieu, Mungu, fortifie-le. Il puisse continuer avec ses enseignements. Abate kuendelesha hii mafundisho. Ils sont utiles à nous qui avons été choisis par toi-même. Kuna faida kwetu kule ushiba lori chakula. Merci Seigneur pour toutes choses. Aksanti Bwana kwa kila kitu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Utukufu na heshima kurudirie. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Katika jina la takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amina. Bwana mibariki. Semaine. Le prochain culte, ça sera le mercredi. C'est-à-dire en semaine, mercredi et jeudi. Et nous ici pour écouter la parole de Dieu. Vendredi, c'est une journée qui est consacrée à la prière. Cette fois-ci, nous commençons de 13h jusqu'à 17h. Puis, on se réunit dimanche selon les jetons que nous avons. En ce qui concerne les jetons, les visiteurs sont les bienvenus. Aujourd'hui, c'était A, B et E. Et le dimanche prochain, ça sera C, D, F. Le prochain culte, ce sera ce mercredi. Amenez vos enfants dans des lieux qui sont prévus pour l'école de dimanche. Vous connaissez l'horaire, on a dit ça la fois passée. Hier, on respectait cela. Envoyez vos enfants munis de leur masque. Vous pouvez leur donner des gels hydroalcooliques. Et évitera un peu que les gens puissent retarder devant les portes et qu'on sort. Donc, priez, respectez cela, s'il vous plaît. Hospitalisation. Hôpitalo. Clinique SNCC. Clinique SNCC. Il y a le frère Crispin Kabangu, chambre 13. Ukondugu Crispin Kabangu, chambre 13. Hôpital Copte. Copte. Il est sur le boulevard Katouba. Il est sur le boulevard Katouba. Tout près de l'arrêt qu'on appelle barrière. Il y a la sœur Chantal Kazadi, chantre. Ukoda Chantal Kazadi, mwimbaji. Le clinique Moussafiri.
Polyclinique Musafiri. Et le frère Jean-Paul Ndimina. Kondugu Jean-Paul Ndimina. Le clinique Bom de Galade sur le boulevard Katouba. Bom de Galade Mubalabala Katouba. C'est la diagonale de notre berger. Iko karibu na pasteur wetu. Et le frère Daniel Kanyinda. Kondugu Daniel Kanyinda. Première salle en face de la pharmacie. Nyumba ya kwanza linangariana na pharmacie. Sortie de l'hôpital. Pale baritoka mupitalo. Dornina Sika. Danina. Dolina Lusinga Kazembe. Danina Lusinga Kazembe. Elle est déjà sortie de l'hôpital. Asha toka mupitalo. Ainsi que la seule Rose Chantre. Nada Rose Mwimbaji na yani shatoka mupitalo. Changement d'adresse. Enye kubadirisha anwani. Frère Ilunga Théo. Dugu Ilunga Théo. La sœur Meta Alphonsine. Nada Meta Alphonsine. Ils au revoir à l'église. Panalaka kanisa. Dieu voulant, ils vont aller s'installer à Kasumbalesa. Pendeza Mungu batenda kuikaria pa Kasumbalesa. Ainsi sont là, ils peuvent s'avancer pour dire au revoir à l'église. Dugu na dada biko kwa pite kumbele balaki kanisa. Le frère Ilunga Théo et la sœur Meta Alphonsine peuvent venir ici devant. Dugu Ilunga Théo na dada Meta Alphonsine mupite kumbele. Nouveau membre. Ba memba basasa. Le couple frère Théophile Bayene. Doa ya ndugu Théophile Bayele. Et la sœur Amani Florence. Na dada Amani Florence. Vient de Goma. Wanatokea Goma. Et s'installe à Lubumbashi avec leurs enfants. Na wanakuwa na watoto wao kuikaria mu Lubumbashi. Bien aussi, c'est une bonne chose. Ils peuvent aussi venir ici devant. Communique leur adresse. Quartier Bongonga. Numéro de téléphone 0993. Papa, il manque un chiffre. Numéro Yabo Aine. Jacques, vous pouvez, il manque un chiffre. Salutations. Ayambo. La sœur Ngalula Marie, veuve Bakandoa. Dangalula Marie, bibiaki andugu Bakandoa. Elle est venue ici pour le deuil de sa fille. Alikuwa kujika binti wake hapa. Elle salue l'église. Analamkia kanisa. Et remercie le Seigneur pour sa protection. Na anashukuru Bwana kwa ukingo wake. Durant tout son séjour à Lubumbashi. Wakati yote alipitisha hapa Lubumbashi. Le frère Gabin Mayemba Sidela qui voit les diacres après culte. Dugu Gabin Mayemba kama iko akoone bashemashi kisha ibada. Devant nous, Beleetu. Nous avons le frère. Vous pouvez enlever vos masques, s'il vous plaît. Mutosheko ma masque enu. Frère Ilunga Théo. Dugu Ilunga Théo. La sœur Meta Alphonsine. Madame Meta Alphonsine. Ils au revoir. Panatulaka. On va laisser installer à Kasumbalesa. Bego ninda sasa kuikaria ku Kasumbalesa. On peut dire au revoir à nos bien-aimés en agitant la main. Olaki wapenda wetu kwa kuwapepea. Bien saluer tous nos bien-aimés de notre part. Mupeleke mayambo yetu kubapendwa yetu kule ngambo. Kasumbalesa, vous allez voir le frère Kalele. Uko ndugu Kalele pa Kasumbalesa. C'est lui le berger de l'église de Kasumbalesa. Njo mchungaji wa kanisa la Kasumbalesa. Il est dans son église. Mwende mkanisa yake. Ok, la sœur peut venir. Sœur qui vient de Goma. Dada ula antokia ku Goma anezi kuya kumbele. Frère, vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Dugu Ilunga na dame ta murudie pa mfosh. Frère Théophile Banyenge et la sœur Amani. Dugu Théophile na dat meta Amani. Où est le frère? Dugu e kwapi. Frère Théophile Banyenge et la sœur Amani Florence. Dugu Théophile Banyenge na da Amani Florence. Dada frère anako. E kwako. Nezu kishwisha ko masker. Que le frère est quelque part. Ndugu Théophile Koapi. Il était au balcon le temps de descendre. Arkwa ukuyulu aiko mashuka sasa. Pas celui qui vient, il était dans la cave. Ye uleko na kuya arkwa mukave. Ok, c'est le frère Théophile. Bon, tout juste après. Isha ibada. Vers midi. Midi. Et nous aurons une consécration de mariage. Tutatole andoa. Père Didier Kabongo. Doya ndugu Didier Kabongo. Et la sœur Joël Kabanga. Nada Joël Kabanga. Sera aux heures de midi. Takwa batafika midi. Ils sont devenus membres de notre équipe.
Bien de Goma, nous vous recevons avec joie. Nous vous le saluer en agitant la main. Salimie, quoi, quoi, pépé, hein. Passez au bureau après culte. Vous pitez qu'office et tout qui chez Ibada. Passez aussi dans les bureaux pour nous saluer. Waze, vous pouvez regagner vos places. La veuve Bakandoa, est-ce qu'elle est quelque part? Bibi Andugu Bakandoa, la rifari qui est quoi? Peut se lever, est-ce qu'elle est quelque part? Aïe, Asima, mais pas l'écho. Je peux même lever la main là où elle est, parce qu'on pas l'écho. Asima, mais la mouche moukono tout monne. Comme écho moukanis. Ah, elle est là au fond, il n'y a pas moyen de la voir. Yé ou le koumoui, chocola kounana gisia koumona. Yé ou le kou écran. Et dans le prolongement du rez-de-chaussée, là au fond. Yé ou koumoui, chou à rez-de-chaussée. Elle avait perdu son mari. Arifishaka buanayake. Ananga. Kananga. Et dernièrement, sa fille est décédée à Lubumbashi. Alifisha tena binti wake hapa Lubumbashi. Elle est venue expressément pour ça. Alikuwa njua kilio kia binti wake. Et loin, on peut la saluer en agitant la main. Et kumbari, tunaweza msalimia kwa kumpepea. Et si vous regardez sous vos caméras, je crois qu'elle est là-bas, elle vient de s'asseoir. Yeye ulikuwa pa kamera kumbele kule. Ok. Nous avons complètement terminé. Tunamaliza kabisa kabisa. Prochain culte, ça sera le mercredi. Ibada ingine itakuwa ni siku ya tatu. Allez avec la paix du Seigneur. Mwende na amani ya Bwana. Ok. Il y a des véhicules qui sont garés de l'autre côté. Umagari le baripanga huku chini. Demandons aux sœurs, surtout du côté sœurs, de rester en place. Tunomba mbele badada babakie bashitoke. Ne soyez pas pressés de sortir. Musiwe haraka ya kwenda. Il y a des diacres à chaque porte. Huko bashimashi pa kila mulango. Suivez l'ordre des diacres. Mfuate ile utaratibu ya bashimashi. Attendez d'abord que tous les véhicules qui sont derrière puissent évacuer. Uchunge kwanza ile magari kwa nyuma itambuke. Quand ça sera dégagé, ikitoka yote, on vous fera signe pour sortir. Jo batanza kumitosha sasa. Dès que vous sortez, mukitoka, ne traînez pas de l'autre côté. Na mwa mushikawe kawe pale. Libérez votre voix et allez là-devant. Mwende mala mwa mbio mbio kumbele. Ok, on peut nous entonner un cantique. Patumie nyimbo. Oui, nous allons sortir en ordre. Na tutazambalala kufuatana na utaratibu ya bashemashi. Allez en paix. Mwende na amani. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Comme moi, Mibariki, je viens d'abord vous informer que Dakarol Goui Arizal, nous voici tous les salles, parce que c'était difficile pour elle, mais Dieu merci. Arizal a depuis vendredi, mais ça va me signaler déjà. La Sarah, vous m'occuperez, on va reprendre ou bien on va consacrer bébé. Ok, ça va. Je vous rappelle que prière à vendredi, chaque pour reprendre. Le vendredi passé, on était, je ne sais pas, trois frères, quatre frères. Ce n'était pas bien. Je demande aux frères de fournir un grand effort. Surtout Ngamboaba frère. Tubadade, il n'y a pas de problème. Le pasteur avait insisté, nous devons entretenir la transmission.